jungle. Ward Cola réalise tes rêves. Téléspectateurs de la rétrospective People, un plaisir pour moi de vous retrouver encore en ce mois saint de Ramadan. Et nous sommes à Conakry, la belle cité guinéenne. Aujourd'hui, comme annoncé dans le tout premier numéro de ce Ramadan spécial, nous serons avec vos personnalités guinéennes tout au long du mois saint de juin. Et bien aujourd'hui, grande surprise, on change de cap, pas que de la musique, mais vous aurez du sport. Du sport avec une icône sportive qui a marqué son temps en Guinée et qui a représenté avec fierté le rouge jaune vert guinéen. Nous sommes dans son quartier à Kipé d'Adia. Et bien nous débarquons dans sa modeste maison où il nous reçoit aujourd'hui. Il s'agit bien d'un footballeur guinéen que vous connaissez, que vous avez admiré et que vous continuez de porter dans votre cœur. Nous l'avons dans notre cœur pour vous. Aujourd'hui, nous sommes au cœur du Ramadan et ça se passe chez le footballeur Fodé Mansaré. On est juste devant sa porte où je vais toquer et je ne vais pas rentrer directement. Hein. Ah, il y a une personne dedans. Oh monsieur, venez. Bonjour. Vous allez bien? Alors, on est bien chez Fodé Mansaré. C'est le Ramadan, oui. Donc nous oui. sommes là pour une émission. Oui. Ça va pour vous le Ramadan? Oui, oui, oui. Vous vous sentez bien? Vous avez la force? Oui, oui, oui. Super, oui. Merci beaucoup. Donc, on est assez, c'est assez calme. Hein. On ne sait pas ce qui se passe si notre cher footballeur guinéen Fodé Mansaré est en train de dormir ou il somnole encore. Qu'est-ce qui se passe réellement? Mais voilà, on rencontre aussi. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Alors, Fodé Mansaré, il est là? Il est là. Vous nous accompagnez, oui, s'il vous plaît? Oui, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Voilà, on a déjà un autre qui nous reçoit chez Fodé Mansaré. Voilà. Alors, on est déjà à la rentrée de la maison du footballeur Fodé Mansaré qui nous rejoint aujourd'hui au sein de l'émission spéciale rétrospective Ramadan. Est-ce qu'il gêne? Qu'est-ce qu'il fait pendant le Ramadan? Vous le saurez tout à l'heure, chers téléspectateurs. Ne bougez pas parce que nous sommes au cœur de la vie de vos plus grandes stars guinéennes et africaines. Mais en attendant, n'oubliez pas de grandes surprises pour vous tout à l'heure puisque Fodé Mansaré, alors qu'il quitte le monde du football plus ou moins, il se retrouve dans le monde de la culture parce qu'il a initié un projet dont il nous parlera aujourd'hui. Mais en attendant, on le rejoint. Et voilà donc Fodé Mansaré qui nous rejoint finalement. On a attendu un petit bon moment, mais merci de nous recevoir dans ta modeste maison. Mais vous êtes chez vous, hein. Toujours aussi modeste. Bienvenue, voilà, c'est Mansaré avec Mansaré de Com. Et toute l'équipe de la maison, on a été reçus incroyablement bien. Et moi, j'ai envie de savoir, Fodé Mansaré, il est en train de dormir, oui, de se reposer. C'est vrai, paraît-il, j'ai un petit secret à partager avec les téléspectateurs, que ceux qui dorment pendant le Ramadan ne bénéficient pas de toute la bénédiction du jeûne parce qu'il est mieux d'être actif. De bouger. De bouger. Après, moi, je ne sais pas ça, hein, parce que je suis souvent avec les imams, mais je ne sais pas où vous avez entendu ça. D'accord. Mais voilà, moi, quand même, je me reposais pour ce petit match qui se trouve dans le quartier. D'accord. Parce que j'ai un petit match là avec les jeunes de quartier. Donc, c'est justement pour les mettre en forme. Voilà, c'est... En gros, parce que tu restes assez proche du jeune public qui t'admire toujours, t'es une icône pour la Guinée, tu restes cela et un symbole qui... Ben, écoutez, hein, c'est comme ça qu'on a commencé avec les jeunes de quartier. Donc si on part, on revient, on reste toujours avec toujours les jeunes personnes. D'accord. Je ne pas se prendre la tête pour dire que voilà, j'ai ça, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Il faut rester humble, il faut rester soi-même. Clairement. Alors aujourd'hui c'est Ramadan, les hommes généralement vous n'aimez pas cuisiner parce qu'on est en Afrique, je ne sais pas pourquoi vous n'aimez pas.
Mais j'ai envie de savoir, qu'est-ce qui se passe souvent à la cuisine pour Faudé Mansaré? Quel est son plat? On va découvrir la cuisine bon, avec lui, s'il veut bien. Voilà, je vous montre ce qui est voilà, en cuisine. Alors, dis-moi un peu, c'est quoi ton plat préféré, toi, Faudé Mansaré? Bon, moi, j'ai pas de préférence. Hein. D'accord. J'aime toutes les cuisines guinéennes. D'accord, tous les mets, d'accord. Voilà, j'aime Konkwe, j'aime Bourraké. J'aime un peu de tout, hein. Voilà, je suis pas compliqué. Hein. Mais t'es pas gourmand. Non, je mange pas aussi beaucoup. Bon, on se retrouve en cuisine. Faudé Mansaré va cuisiner pour vous, pour la première fois, en direct. Oh, ça va être compliqué, hein. Alors voilà, on est en cuisine africaine, voilà. Là, c'est authentique et ça se passe en Afrique. Les femmes qui sont en cuisine, qui transpirent. Imaginez déjà, je transpire. Et on va faire transpirer Faudé Mansaré. On va le faire transpirer parce qu'il va remuer la sauce, même s'il ne l'a pas cuisiné. Il va ouvrir la marmite et puis il va remuer la sauce. Maman, on m'a dit là-bas. Alors qu'on fait des mansarins, on a dit sauce ramara moumbe à fin indira. La Guinée qui est râteau, à t'en enseigner le moumbe tout. Attention, hein. Voilà. Parce que j'ai vu en Europe, donc je sais préparer. Tu sais préparer? D'accord, bon, remue, on va voir. On va voir. Ah, finalement, il remue bien. Et puis, ouais. Non mais j'assure, je lui donne 10 sur 10, voilà. C'est bon, c'est bon. Alors là, ça se passe en cuisine, il y a quoi au menu? Il y a déjà la sauce tomate. La salade aussi. La salade oui. Du aloco que j'aperçois, et puis quoi d'autre? Aloco, il y a bouillie. De la bouillie, d'accord. Pour le mois de Ramadan. Et nous, c'est un Torres, Soubé, il y a beaucoup. Bon, on va retrouver tout ça à 19h parce qu'on sera en compagnie de toute la famille de Faudé Mansaré, tous les jeunes de Kiki le côtoie tous les soirs. Et voilà. J'ai invité les gens du quartier aussi, les jeunes du quartier pour venir manger avec nous. Ça va être génial. Couper, voilà, pour couper le jeûne avec nous. Ah voilà, c'est pour vous dire qu'il est un homme de cœur et voilà. On se retrouve pour la suite, téléspectateurs. Un petit clip pour savourer ce moment ensemble. À tout à l'heure. Merci. Audio Jungle. Woto fangi sanari nena fite medi marana fandunye. Kono temedi afaga na fiche yala. Levi marafanye na fene terifema. Affichage forcé, la finitive fait. Les filles qui n'ont pas fait, il fait ma affiché ma. La finitive ma fait ma. Marafani mouti maillot n'a fait ma. La finitive ma fait ma. Marafani moua ma cache cache comme ma. Ma belle belle comme ma. Marafani fara le chop chop. Neve wotou salarine n'a fait ma. L'original ima konaki. Ana wotou tongue nous ramène bébé man. Que les femmes assurent, les hommes ils se plaisent à jouer à la PlayStation très souvent, c'est un peu le délire de notre footballeur Faudé Mansaré, clairement, parce que le foot c'est un peu toute sa vie, donc là en gros il dit qu'il est en train de fracasser son chargé de communication.
il le corrige avec... c'est une play, c'est ça? Oui, c'est FIFA 18. Ah, FIFA 18, dernier modèle, quoi. Ça s'amuse pas, hein. Attention, pour ceux qui le savent. Entre-temps, j'ai envie de parler de l'actualité de Faudémont-Saré en ce moment. Qu'est-ce qui te peaufine? Bon, vous savez, voilà, le foot reste, c'est quand même pour nous, ça ne bouge pas. D'accord. Parce que tous les jeunes africains aiment le foot. Tout le monde a envie de jouer au jeu d'aujourd'hui. Oui. Donc, nous, on a eu la chance quand même de partir en Europe par rapport au football. Oui. C'est le couple qui nous a amené, moi c'est les deux couples français que j'ai eu la chance de rencontrer. Voilà, ici en Guinée. Oui. Donc qui m'a amené en Europe là-bas pour aller tenter ma chance. Ce n'était pas pour aller jouer. Hein. Oui. Mais voilà. Ils m'ont pris comme leur enfant adoptif, donc tenter ma chance. Oui. Mes parents n'ont pas voulu, mais bon, mon père, lui, il a tout fait pour que j'aille là-bas. D'accord. Et tenter l'aventure. Oui. Donc c'est dans ce contexte-là je suis parti et puis voilà, avec la bénédiction des parents, avec le baraka de toute la Guinée, j'arrive quand même à en sortir. Clairement, et ça se voit, ça se maintient. Il y en a qui ont vécu de beaux rêves, mais qui se sont retrouvés dans une autre histoire qui n'était pas très positive. Mais toi aujourd'hui, tu as ta petite vie assez modeste et qui symbolise le travail accompli durant tant d'années. En même temps, en 2018, on a appris que Faudé lance un projet, hormis le foot. Oui, oui, c'est vrai. Ça s'intéresse à la culture. Oui, il ne faut pas oublier aussi que tu as repris l'espace musical Fougou Fougou Faga Faga. Je ne sais pas si ça date toujours. Oui. Voilà. Oui, oui, c'est vrai. Vous savez, quand moi j'étais en Europe, d'accord, la force que j'avais de jouer sur le terrain, essayer de me faire plaisir, c'était d'écouter la musique traditionnelle. D'accord. Donc j'ai toujours écouté ça. C'est là-bas que j'ai connu. Bon, c'est là-bas que je m'entendais avec beaucoup des artistes guinéens, d'accord, surtout parce qu'ils venaient souvent. D'accord. Et quand j'étais là-bas, je les invitais chez moi. Ainsi, quand je suis rentré au pays, et voilà, je me dis, je vais. Il y a Chancho, des espoirs de Corinthie qui est venu me voir ici. Oui, d'accord. Ils voulaient que je m'associe à eux. Oui. Aux espoirs pour qu'on puisse travailler sur Fougou Fougou en fait. Parce qu'il n'y a personne qui venait là-bas. D'accord. Donc moi, les jeunes talentueux qu'ils sont. Mm-hmm. Donc moi, je n'ai voilà, pas douté une minute. Ça marche pas, ce n'est pas ça le but. Le but c'était les membres. D'aider. Voilà, d'aider les venir les en aide, voilà. Surtout les artistes guinéens. D'accord. En particulier. Donc je voulais me mélanger avec eux pour les montrer que voilà, même si je suis en Europe et quand je viens en Guinée, je suis toujours avec eux. Oui. Il faut avoir foi en Dieu pour avoir ce type d'esprit. Donc je vais me retourner un peu vers le responsable communication. Entre temps. Tu peux sourire un peu. Hein, c'est Ramadan, il est stressé là. Ouais, il a, comme on le dit entre nous jeunes, il a la dalle, il a faim. Voilà. Mais ça se dit pas, ça gâte le Ramadan directement. Mais entre temps, on parle du tout nouveau projet musical qui se prépare. Une structure a été mise en place par notre cher Mansaré. On en parle rapidement. Oui, je me présente déjà, c'est Alpha Omar So. D'accord. Moi, je suis le chargé de com de la nouvelle boîte de communication qu'il a mis en place. Et on prépare un événement, ça va être le premier événement de la structure. L'événement, c'est le trio de choc qui réunit Ball Original, Ali Chanso et Lévi Bobo. D'accord. Au palais le 30 juin. Donc voilà, quand Faudé est rentré, il avait un pied dans la culture. Parce qu'il accueillait tous les artistes qui arrivaient en France et tout, il les soutenait et tout. Donc quand il est rentré, il s'est dit, bon voilà, c'était une occasion pour moi aussi, voilà, de me lancer dans le milieu de l'événementiel et tout. Et c'est ce qu'il a fait en ouvrant la boîte et tout. Et il a un studio à disposition pour les enregistrements. Je rappelle que les enregistrements chez lui se font à petit prix parce qu'il a vu qu'il y avait ce besoin-là d'appuyer, d'aider. Il entreprend un peu plus dans la culture et le studio, il se trouve où exactement? Alors, le studio, il l'a fait chez lui ici. D'accord. C'est juste là, on va visiter tout à l'heure. Ah, oh, je vais chanter en studio aujourd'hui. C'est Ramadan, mais je vais chanter. Voilà,
voilà, c'est une manière pour lui de contribuer un peu à la culture. Aujourd'hui, il est acteur culturel parce qu'il est en association avec le plus grand groupe de musique traditionnelle guinéen, c'est les Espoirs de Koronti. D'accord. Ils administrent ensemble l'espace culturel Fougou Fougou Faga Faga. Et en même temps, ils montent des projets. Donc, le premier projet, ça va être le trio de choc. Mm-hmm. Un live pendant 2 heures de temps non-stop avec 3 vedettes qu'on connaît déjà, les villes les plus à présenter. Ali qui a sorti son album solo. Oui. Et voilà, et Mbalou qui est vraiment une bête de scène. Donc voilà, ça c'est son premier projet. Mais on a d'autres projets en cours, qui l'organisation du Festival international de musique traditionnelle. D'accord. Il y tient beaucoup. Bon, donc notre premier événement, le trio de choc, ça va être juste un tremplin pour pouvoir organiser notre événement phare qui est le Festival international de musique. D'accord. Alors, moi, j'ai envie de visiter tout de suite le studio. Je ne sais pas si on peut y aller. On oublie la PlayStation. On se retrouve dans le monde réel, le monde de la culture qui vous fait bouger clairement, chers téléspectateurs de la Retrospective People. Ne bougez pas, on est au cœur du Ramadan, spécial Ramadan avec Fodé Monsaré. Oh, j'adore ce naturel. Le Ramadan chez Fodé Monsaré, c'est sympathique. Hein, on retrouve toutes les stars guinéennes. La grande star Mbalou originale. Mais elle est toujours belle, Mbalou. Mais Mbalou, pourquoi le maquillage ça arrive sur mon maquillage. Mon maquillage de. Mais crayon à mouille. Il est en crayon à mouille. Il est en crayon à mouille. Tu n'as pas de. Mais t'as naturel, mais. Mais t'as pas de. Il est moto. J'adore Mbalou. J'adore. À chaque fois que je l'ai sur mon plateau, voilà. Quand je lui pose une question, elle retourne la question. Là aussi, tu as tracé un peu, hein, légèrement. Maintenant, tu es là, tu veux, hein? Je vais t'attaquer, quoi. Bon, allez, ça fait plaisir, Mbalou. Ça va pour toi, le Ramadan? Oui, ça se passe très bien. En tant que musulmane, même si on est artiste, chanteuse, pendant le mois de carême, on arrête tout et puis on jeûne. C'est ça, il faut prier et demander pardon. À Dieu. Oui. Surtout que le mois là est béni, donc il faut en profiter. Clairement, ça c'est un message de l'artiste chanteuse Mbalou, originale qu'on retrouve chez Fodé Monsaré. C'est bien ici de faire... Je vais venir vous retrouver ici tous les soirs, hein, finalement. Venez aussi, chers téléspectateurs. Mbalou, tu préfères un show avec Fodé Monsaré. J'ai entendu les échos. On dit trio de choc. Mbalou, Asigi Femme. Mais Asigi Boussour Mfate Sidney. Avec Lévi Bobo et Chancho, le trio de choc, la musique que vous avez sortie, c'est parti d'où cette inspiration? Na parti na enana ina comment on dit ça? Korofo, Kamol Korofo. Kamol Korofo. Oui, c'est ce que tu fais. Je voulais le dire en soussou, mais j'arrive pas, en fait. Comment on le dit en Tali. Soussou? Tali. Merci. Ina Tali nere sara kui men neki. Non, mo Tali ram sara de. Ika long déjà nomi foni affichage ko. Modulié en album musso ali fa kabla musso ko ali to mel ta fa jamaa ali d'accord donc an no wala lani kemi ni o ke la après boy yes ne ni ke gore mi ya fiche la ali fa kali mo ne euro e kala mo ne kunte ka donc ni em fe fi en afiche ni ki dunga lan ku item fe yi ma bonna mi em fe o din afiche e yalla mbalu tan ya ngi reste ngi re wala gi ne ramé ma c'est ça ni afiche o ba gi ne yong fe la gi ne tan ma fala mbalu original na fala c'est ça mo ne tan mo dede alors mbalu tu donnes des millions à une femme, si tu ne l'affiches pas, mon frère, c'est pas la peine. World Cola réalise tes rêves. Et voilà, téléspectateurs, juste après notre petit délire avec l'Ambalou original, avec toutes ses folies, on se retrouve encore avec Fodé Monsaré, qui est l'hôte de tout le monde aujourd'hui. Et une petite visite, comme on l'a dit tout à l'heure, de ton bureau, du studio et tout ça. Je vais vous faire monter le bureau de... Du studio ? Voilà, du studio. D'accord. C'est ici qu'on monte nos projets. D'accord. Tout ce qui se passe, ça se passe ici. D'accord. Avec un petit mot. Ah, un petit mot. Mieux vaut se connaître que connaître autrui.
Ça veut dire beaucoup de choses. Ouais. C'est mieux de s'occuper de son problème que de s'occuper du problème des autres. Voilà. C'est vrai. C'est on y va en studio. Voilà. J'ai envie de chanter avec toi aujourd'hui. Eh, on est un jeune. On ne chante pas en ramadan? Qu'est-ce que tu veux? Sauf si je chante Bismillah Rahman Rahim, hein? C'est le mois de carême. Ah, c'est ça, hein? C'est le mois de carême. Bon, allez, donc j'ai pas la chance de chanter avec la voilà, star Mbalou aujourd'hui. On garde ça pour le 30. Le au palais du peuple. Donc voilà, Mbalou avec ses cheveux rouges. Aujourd'hui, tu n'as pas la chance parce que je suis. Aujourd'hui, elle est couverte. Aujourd'hui, je m'appelle Hadja Mbalou original. Voilà. C'est ça. Donc aujourd'hui, on verra Hadja Fata Salide. Je suis musulmane. Il faut que je respecte les 5 pliés de l'islam. S'il te plaît, quand même. Sous le rôle, il sait. Il m'a bragué, il est là. Moi, les effets, mon béto. Malgré que son mari n'a mais on est là au studio parce qu'on prépare un événement le 30 juin au Palais du Peuple. Le trio de choc. Et d'ailleurs, la Guinée sera invitée aussi. Voilà, je serai sur scène pour chanter pour la première fois. Je vais défier Mbalou original. Ça va barder. T'entends pas, ma Benka Roll ici. Alors voilà, donc, on est au cœur du ramadan. Studio qui va m'attendre. Ouais, une petite visite avec l'équipe. Voilà. Moi, je commence d'abord ici. Voilà, bon, on va apprécier. C'est pour faire plaisir. Voilà, c'est pour faire plaisir aux Guinéens. Pour leur montrer que voilà, après le foot, il y a d'autres choses aussi qu'on fait. Attends, je vais. Entre-temps, nous sommes dans le quartier de Faux-des-Montsaré où on s'invite avec les jeunes du quartier qui sont en train de partager un moment plaisant hein, en compagnie de nos stars guinéennes. Il s'agit ici de Faux-des-Montsaré, Ali Chancho et bien d'autres artistes. Entre-temps, c'est pour vous dire que le ramadan, c'est un peu un moment de convivialité en Guinée avec les personnalités. Et voilà, je vais prendre en interview un monsieur qu'on retrouve dans le quartier. Vous allez bien? Ça va. D'accord, vous êtes du même quartier que Faux-des-Montsaré. Oui. Qu'est-ce que vous pourriez dire de lui aux téléspectateurs de la télé nationale? Il est avec les jeunes du quartier ici. Ouais. Beaucoup même. Et ça vous fait plaisir? Ouais, ça le ramadan, plaisir. Ça se passe bien pour vous? Ça passe bien, oui. Super, on vous souhaite un très bon ramadan. Ah, okay. On est au cœur du ramadan chez Faux-des-Montsaré qui partage en ce moment un match avec les jeunes du quartier. Savourez le moment et à tout à l'heure. Voilà, entre-temps, Montsaré qui est en train de jouer au foot et ça se passe avec son équipe, incluant Chancho. Vous êtes énergique. Ouais. Ça va, vous avez marqué des buts non, déjà. Non, ça va, on a gagné 1-0 là. Pour le moment, on gagne 1-0. Pour le moment, on gagne 1-0. Voilà. Mais en attendant, en ramadan, ça va, tu maintiens, t'es pas pressé? On gère. Donc, à tout à l'heure pour la coupure. À tout à l'heure. En attendant, on met 3-0. C'est pas encore terminé, hein. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Audio Jungle. Entre temps, voilà, de l'énergie, j'en ai reçu, clairement. Tout à l'heure, sur le terrain, les hommes, ils en avaient, mais moi, c'était mort pour Mbalou aussi. Et Fodé Mansaré, il reçoit la grande famille musicale ce soir chez lui. Et une belle cuisson a été faite. Vous l'avez vu quand même en cuisine, il a renié la sauce tomate. On peut dire que c'est lui qui était le cordon bleu. Et là, en gros, Chancho est là. Chancho, il s'en a ratifié, Yenan. Il dit ouais. Il me ragui. Yé, il est en point sérieux, là, ma direct. À vous en aller. Voilà. Et Fodé, toi, t'as pris déjà de l'eau ou tu attends te servir quelque chose? J'ai pris un peu de jus de Messi là. Balou, ça va? Oui, ça va. Tu as bien gêné, c'était pas difficile la journée? On est un peu fatigué, mais ça va. Ça va, non? Avant, tu vas dire, mais vous l'attendez pour le. Voilà. On est avec Fodé Mansaré et toute l'équipe, hein, parce qu'ils se préparent pour le grand concert qui se tiendra le 30 juin au Palais du Peuple. Vivez l'événement en exclusivité, bien sûr, en achetant déjà vos tickets. Mais en attendant, nous, on savoure les mets du jour et on se retrouve pour se dire au revoir tout à l'heure en famille. À tout à l'heure. Un bon Africain qui savoure la salade. Ouais. Alors c'est bien fait? Très bien. Tu valides? Ah, à 100%. Ah ouais, c'est bon. Ça c'est la chance des hommes. Ils ne rentrent pas en cuisine, mais ils consomment après, ils valident. Ça. Audio Jungle. Téléspectateurs de la rétrospective People, imaginez un peu quand on finit juste de couper le jeûne, on se retrouve avec moins d'énergie parce qu'on est vraiment plein et ce aujourd'hui grâce à notre hôte Fodé Mansaré qui a tenu à nous faire vivre sa journée de Ramadan. Conclusion, qu'est-ce que tu as envie de faire passer aux téléspectateurs qui nous suivent à l'instant? Non, seulement on vous remercie aussi par rapport à tout ce que vous faites pour la jeunesse, pour nous. C'est très très important et au jour d'aujourd'hui, je suis avec mes amis, avec mes frères et soeurs. Là, on a fait venir Chanso parce que c'est le chanteur leader et Mbalou original qui cartonne tout en tant que côté femme. C'est un plaisir de se retrouver ensemble en famille. Je suis fier. Franchement, j'ai pas de mots tellement que je suis ému. Voilà, c'est pas la première fois, mais voilà. Venant de Guinée, vraiment, ça me va droit au cœur. Merci beaucoup. Et puis, on est en train de préparer un événement aussi par rapport aux trois trios de choc là, au palais pour le 30 juin. Donc, on invite tout le monde à venir assister chez l'événement parce que c'est un événement qui est vraiment. Ça va être bien parce qu'on n'a jamais fait ça encore au palais, trois artistes en live. Donc vraiment, voilà. Ça va être géant, ça va être ouais. Assez nouveau et ça se passe avec Mbalou, voilà. Ali Chanson et Lévi Bobo qui n'est pas là, qui aurait pu être aussi de la partie. Ce qui est sûr, on a bien mangé. En tout cas, elle va représenter les femmes, les vraies. Et les hommes représenteront les hommes. Mbalou original, on va vous montrer ce que ça veut dire. Amour, cache-cache. Amour, sop-sop. Amour, sop-sop, il faut afficher vos femmes et vos hommes. C'est important. Ouais. Alors, merci beaucoup à tous. Encore grand merci à Fodé. Et on vous souhaite à tous un très bon Ramadan. À tous les Guinéens de partout dans le monde. On est ensemble. À très vite. Ciao, merci. Ciao. Merci. À bientôt. World Cola, réalise tes rêves.